experte microbiologiste. Elle travaille en Tunisie à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Et c'est une habituée de nos plateformes virtuelles. Elle est membre de ICANN aussi. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler de la biosécurité dans le cadre de COVID-19. Un sujet pertinent et très intéressant. Alors, je saisis l'opportunité de l'accueillir. Et donc, soyez la bienvenue pour ce vaste manif. Merci Et beaucoup. soyez tous la bienvenue. Je vais aussi, par le biais de Africa CDC, remercier tous les orateurs et les panélistes qui vont travailler avec nous cet après-midi. Et donc, Monsieur Tadé, je vous prie d'introduire et d'accueillir l'orateur Africa CDC pour ce jour. Et nous allons donc commencer. Merci. Oui, docteur Bora Bora, est-ce que docteur Jacques est introduit? Je vous prie de l'introduire. Oui, ok. Merci, merci. Bonjour, bon après-midi, chers participants, panélistes. Comme mon collègue vient de le dire, donc nous sommes avec docteur Jacques Katomba. Il est épidémiologiste à Africa CDC. Donc c'est celui qui va nous faire la situation épidémiologique en Afrique, donc COVID-19. Docteur Jacques, si vous me recevez, à vous. Oui, merci beaucoup, Tadé. Merci beaucoup, docteur Bolabola, pour cette opportunité que vous nous donnez pour présenter la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus à travers les continents africains. Si, Tadé, tu peux partager l'écran avec moi parce que je n'arrive pas à me connecter. Et à partager mon écran. Merci beaucoup. Moi, c'est docteur Jacques Katomba. Je suis médecin épidémiologiste. Je travaille à l'unité de surveillance des maladies à potentiel épidémique au sein d'Africa CDC et à l'Union africaine. Et pour le moment, je suis en train de coordonner la réponse d'Africa CDC. Au niveau du Cameroun. C'est là où je me retrouve actuellement et je vous parle de Yaoundé. Alors, la situation épidémiologique, comme vous pouvez vous en apercevoir, à 10 heures, l'heure de l'Europe du centre, nous avons à gauche la situation telle que ça se présente au niveau. Du monde, il faut 2 000 personnes ont perdu la vie à vie. Et donné à 3, OK. Allô? Est-ce que vous... Je suis en ligne. Oui, on peut vous suivre. Monsieur Tadé, la prochaine diapositive. OK. Non, parce que j'ai vu un message que je n'étais plus connecté. Donc, ce qui donne une létalité globale de 3,5% au niveau mondial. Et au niveau du continent africain, on a actuellement un total... Oui, tu peux passer, Tadé. Bien, on a au niveau du continent africain un total d'un million 158 217 cas qui sont recensés actuellement. Et il faut dire que c'est le nombre de total cumulé des cas à travers les continents. Donc les 55 pays
de l'Afrique sont tous touchés, et bien que certains sont déjà en train de sortir. Et il y a un total de 26 968 décès qui donnent une létalité globale de 2,3%. Et à travers les continents, il y a 881 495 guéris qui donnent un total de taux de guérison de 76%. Et vous voyez la tendance générale à travers l'Afrique, ce qui concerne les cas, il y a quand même une baisse dans la tendance générale des cas. OK, on peut passer. Alors, ça, c'est les tableaux montrent les cas par région de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est répartie en 5 régions, la région du centre, de l'est, du nord, du sud et de l'ouest. Et nous avons à la première colonne, deuxième ligne, les totales des cas. Les totales des cas par rapport aux nouveaux cas et aux cas cumulés de coronavirus. Alors, c'est comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est toujours l'Afrique australe qui est plus touchée hein, par rapport au nombre de cas. Et vous savez que c'est l'Afrique du Sud qui donnait beaucoup de cas. Hein, bien que maintenant on a la tendance à la chute. C'est ça la situation globale qui donne la létalité totale de 2,3%. Et c'est l'Afrique du Nord qui présente la létalité la plus élevée dans les continents à ce qui concerne les régions. Oui, on peut passer. Les tableaux suivants. Les graphiques suivants nous montrent les cas cumulés de COVID par État. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 33 pays africains qui ont notifié moins de 5 000 cas et un seul pays qui a notifié plus de 500 000 cas. Et il s'agit bien de l'Afrique du Sud qui prend à elle seule la moitié des cas du continent. OK, on peut passer. Et les tableaux, les graphiques présents nous montrent les taux de guérison des cas de COVID-19 du 15 février au 7 août. Vous pouvez vous en apercevoir qu'il y a pratiquement 5 pays qui ont jusqu'à là moins de 25% de guéris dans leur pays et 21 pays qui ont plus de 75% de guéris. Et vous voyez pratiquement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui présente beaucoup de cas de guéris. OK? Tade? Alors, ces graphiques nous montrent la tendance des tests COVID réalisés. Parce que vous savez, l'épidémie marche toujours avec les tests de laboratoire que nous effectuons dans nos laboratoires. Et vous vous apercevez que déjà au mois d'avril, pratiquement, hein, on n'avait pas de tests, c'est parce que c'est au mois de mars que les premiers cas a été enregistré et au niveau de l'Afrique et les laboratoires a pratiquement suivi hein, la tendance et les cas ont été confirmés comme vous voyez donc on fait de plus en plus les tests au laboratoire et aujourd'hui on est déjà à plus à au 7 août 2020, on a réalisé plus de 10 millions de tests et parmi ces tests, il y a 11% qui sont revenus positifs.
Ok, on peut passer, Tadé. Alors, ça, c'est la tendance générale. Hein. Nous avons mis ça juste pour montrer les 5 pays les plus touchés au niveau de l'Afrique. Vous savez, je le disais tantôt, il y a Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Ghana, Algérie, qui sont les top 5 des pays les plus affectés par le coronavirus. Mais je voulais plus montrer par ces graphes par pays que la tendance générale, dans les pays est à la baisse. Hein? Le directeur Africa CDC a mentionné ça dernièrement dans son mot de conférence de presse du jeudi passé, que la tendance, on pourrait vraiment croiser les bras, croiser les doigts pour que cette tendance puisse se prolonger et qu'on arrive à contrôler cette épidémie au niveau du continent. OK? Et je pense que ça... Allô, Tadé? Je pense que ça, c'était les derniers graphiques. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous allons inviter donc le professeur Basmanif à présenter. Professeur Basmanif? Oui. Je vais partager votre écran. Oui, je veux bien partager mon écran. Vous voyez mon écran maintenant? Parfaitement, merci. Merci beaucoup. Donc, je commence. Vous m'entendez? Oui, professeur. Oui, vous pouvez commencer. D'accord, merci. Oui, je vous attends. D'accord. Tout d'abord, donc, je veux bien remercier l'ICANN et les de m'avoir accordé cette opportunité pour assurer la présentation sur la biosécurité au laboratoire, du prélèvement au laboratoire. Donc, comme déjà m'a introduit professeur Andy, je suis professeure en microbiologie, travaillant au laboratoire de microbiologie à Sfax, une ville au centre de la Tunisie, donc, et où on fait actuellement le diagnostic du COVID-19. Malheureusement, en Tunisie actuellement, contrairement à certains pays africains, on assiste à une augmentation de l'incidence après l'ouverture des frontières. Donc, juste un petit rappel sur le mode de transmission du SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID. Donc, comme vous le savez tous, c'est un virus qui se transmet par les sécrétions de gouttelettes respiratoires, donc via ces particules relativement grandes, de plus de 5 micromètres de diamètre, qui n'ont pas la possibilité de trop voyager dans l'air, donc ils vont se déposer rapidement à un moins de 1 mètre de leur émetteur sur les sols et sur les objets, créant ainsi des objets contaminés, appelés aussi fomites. Donc, d'où le mode de transmission le plus fréquent, soit l'inhalation de ces gouttelettes via un contact rapproché de moins de 1 mètre du malade, ou bien le contact direct via les objets contaminés. Et donc, d'où les gestes barrières les plus efficaces, c'est de porter les masques, la distanciation sociale pour éviter l'inhalation des gouttelettes, ou surtout le lavage des mains pour éviter d'être contaminé par les objets qu'on a touchés et éventuellement contaminés. Toutefois, une transmission par aérosol qui n'est pas plausible pour le COVID-19, a été rapportée. Donc, une transmission via particules plus fines, de moins de 5 micromètres, et qui ont la possibilité de rester plus longtemps en suspension dans l'air jusqu'à 3 heures et plus à plus de 3 mètres. Donc, ce mode de transmission a été évoqué surtout dans les unités de soins intensifs où il y a une forte densité de particules et avec des manœuvres très exposant à une charge virale très élevée, surtout la trachéotomie et l'intubation. Toutefois, le mode de transmission par gouttelette est le plus fréquent.
Donc, le patient est le plus contagieux, le réservoir au réservoir principal de ce virus. Et il est certes le plus contagieux pendant la période symptomatique de la maladie. Toutefois, il est contagieux globalement 3 jours avant l'apparition des symptômes pendant la période d'incubation et jusqu'à 3 jours pendant après la guérison. Donc, il est fortement contagieux. Et les formes asymptomatiques aussi, qui sont de plus en plus fréquentes, sont aussi contagieuses. Le rôle du laboratoire dans la prise en charge de l'infection COVID-19, donc l'infection est une infection multisystémique, donc c'est beaucoup de laboratoires de biologie et tous les types de laboratoires vont être confrontés à des prélèvements potentiellement infectés par le virus du COVID-19. Et donc, ils ont un rôle très important dans la prise en charge, non seulement les laboratoires de virologie qui vont avoir un rôle dans la surveillance épidémiologique, dans le diagnostic, que ce soit la surveillance épidémiologique, dans la détection des réservoirs ou pour suivre la guérison et la production et la sécrétion d'anticorps. Les laboratoires de virologie, ils ont un rôle important, surtout pour le diagnostic par RT-PCR. Et les autres laboratoires, puisque c'est une maladie systémique et on doit hospitaliser les patients et les surveiller, donc pratiquer des bilans de chimique, hématologique, mais aussi bactériologique. Donc, tous les laboratoires vont être impliqués dans la prise en charge et le personnel de laboratoire va être entrer en contact avec le virus COVID-2 et va être potentiellement contaminé. Et donc, il pourrait être contaminé au laboratoire, soit via la manipulation des prélèvements potentiellement contaminés, surtout les prélèvements, bien sûr, respiratoires, mais aussi il peut être contaminé par le contact avec les collègues, ses collègues contaminés, mais aussi les malades, si, bien sûr, les prélèvements vont être faits dans le laboratoire. Mais il est vraiment déconseillé de faire ces prélèvements au laboratoire pour quand même préserver le laboratoire d'une éventuelle contamination. Donc, bien que le personnel soit très exposé à la contamination, à ce jour, aucune infection contractée au laboratoire n'a été décrite pour le COVID-2, non plus pour le MERS-Corona. Les infections acquises au laboratoire à SARS-CoV-1 ont été rapportées en 2003, mais seulement dans les laboratoires qui ont manipulé les cultures virales, donc où il y a des titres très élevés de particules virales infectieuses. Donc, il faut dire que c'est très difficile de différencier entre infection acquise au laboratoire d'une infection qui est acquise en communauté pour un personnel de laboratoire. Donc, la vraie transmission au laboratoire, elle est très difficile à mettre en évidence. Du fait de leur importance très important du personnel au laboratoire et leur risque d'exposition au COVID-2. Il fallait en fin de compte étudier tous les risques de contamination pendant tous les processus de travail, durant tout le flux de travail au laboratoire, de la phase pré-analytique à l'analytique, à la post-analytique, pour dégager tous les risques, tous les dangers et prévoir tous les moyens pour les diminuer, pour les, en fin de compte, les diminuer. Commençons par les considérations pré-analytiques qui sont essentiellement administratives. Donc, les échantillons provenant de patients qui sont des cas présumés ou confirmés doivent être transportés en tant que des matières biologiques de catégorie B sous le numéro ONU 3373, donc sous triple emballage. Les systèmes pneumatiques sont formellement à interdire, sont des systèmes d'envoi de prélèvements sous pression, donc ils exposent à un risque de fuite de prélèvements qui sont très dangereux à manipuler. Bien sûr, le tri et l'enregistrement
des prélèvements doivent suivre les précautions de contrôle et prévention des infections appropriées. Donc, et si le personnel de laboratoire il sera impliqué dans le prélèvement des échantillons, prélèvement les aspirations nasopharyngées ou les échovionnages nasopharyngés, ils doivent être faits dans un espace bien ventilé, à l'écart des paillasses, et tout en portant les EPI nécessaires, particulièrement les masques FFP2 ou N95, et toute la tenue de protection, les gants, les visières et aussi les surblouses. Mais vraiment, il est déconseillé que le personnel de laboratoire fasse ces prélèvements pour diminuer quand même le risque de leur contamination. Pour les conditions analytiques, en fin de compte, comme j'ai dit, chaque procédure doit être bien analysée. Il faut savoir que les procédures et les précautions standards doivent être appliquées pendant toutes les étapes des diagnostics bactériologiques. Il faut dégager tous les dangers et les risques d'éclaboussures, d'aérosols, de production d'aérosols, de gouttelettes, de fuites et de déversements lors de la manipulation des prélèvements. Donc les précautions standards sont à appliquer, sont donc selon les bonnes pratiques de procédures de microbiologiques, les BPVM, qu'on sait tous. Donc il ne faut pas en fin de compte faire plus si on les applique à la lettre dans nos laboratoires de routine. Mais toutefois, pour les prélèvements respiratoires et les selles, qui sont les prélèvements potentiellement potentiellement infectieux qui pourraient bien sûr contenir de fortes charges de virus du COVID-19, il faut un peu renforcer les mesures standards et bien sûr les manipuler sous PCM2 avec de préférence des EPI. Mais pour les autres prélèvements du sang, du sérum, des urines, il n'y a pas lieu de les manipuler sous PCM. Et il faut juste, en fin de compte, appliquer à la lettre les précautions standards et les BPM. Et pour les analyses COVID, donc pour le diagnostic COVID, en fin de compte, on distingue deux types de diagnostics, soit les diagnostics de virus, c'est-à-dire les diagnostics où on n'a pas recours à faire multiplier le virus, que ce soit la PCR ou la détection des antigènes. Donc, on doit les manipuler sous des conditions de biosécurité de type 2 dans les NSP de type 2. Donc, il faut les manipuler sous des PCM, des postes de sécurité microbiologique, bien sûr validés de type 2, et de préférence avec un masque, comme j'ai dit, de FFP2, pour diminuer le risque de contamination lors de la manipulation du prélèvement où il y a un risque de production d'aérosol. Il faut dire qu'après la phase, pour la PCR, après la phase d'extraction, plutôt de la mise du tampon d'extraction d'ARN, ou le tampon de lyse, il y a une activation du virus, et après cette étape-là, en fin de compte, le prélèvement n'est plus contaminant et on peut le manipuler hors PCM. Toutefois, pour les diagnostics propagateurs de virus, la culture virale ou les tests de neutralisation, ce sont bien sûr des diagnostics très fortement contaminateurs. Il faut les manipuler dans des laboratoires de type 3 où il y a un flux d'air dirigé vers l'intérieur, donc un confinement très élevé, un niveau de confinement très élevé. Bien sûr, ce n'est pas applicable au diagnostic de routine et c'est l'apanage des laboratoires de recherche. Donc, en tout, aussi pour les analyses non-COVID et pour tous les prélèvements qui sont pourvoyeurs, porteurs de COVID-19, il n'y a pas lieu de les... travailler en fin de compte dans des mesures de sécurité plus élevées que les mesures habituelles. Il faut juste s'appliquer aux bonnes pratiques et procédures microbiologiques de routine et les traiter comme des échantillons potentiellement infectieux. Donc, si des prélèvements respiratoires c'est sur sur un PCM2, sinon c'est comme on manipule les autres prélèvements. Post-analytique, il faut faire attention au traitement des déchets et à la désinfection.
Pour les déchets, donc, sont tous les échantillons, le reste des échantillons, les gants utilisés, les lingettes aussi, les masques chirurgicaux, tout ce qui peut être contaminé par les prélèvements doit être traité comme les déchets cliniques infectieux, comme les dasseries, et manipulé selon les réglementations et politiques locales qui doivent en fin de compte être révisées si elles ne le sont pas. Pour la désinfection, il faut savoir que le SARS-CoV-2 est très sensible aux désinfectants habituels qu'on utilise au laboratoire ou à l'hôpital, que ce soit l'hypochlorite de sodium à 0,1%, l'alcool, le peroxyde d'hydrogène à 0,5%, ou les ammoniums quaternaires ou dérivés phénoliques. Enfin, il est très sensible aux désinfectants. Il faut juste suivre les protocoles de bonne pratique de la désinfection à l'hôpital. Donc, pour contrôler les risques de transmission à l'hôpital, il faut exercer des niveaux de contrôle à tous les niveaux, que ce soit administratif, au niveau ingénierie ou au niveau des EPI. Au niveau administratif, donc c'est toutes les politiques et les procédures visant à diminuer les risques d'exposition du personnel par, en fin de compte, la modification des tâches pour diminuer les contacts entre le personnel. Il faut tout d'abord évaluer tous les risques. Il faut bien faire des cycles de formation pour la pratique du personnel, que ce soit pour l'hygiène des mains, pour les masques, pour la distanciation sociale, et bien contrôler, bien sûr, le flux de travail au laboratoire. Pour l'ingénierie, les mesures d'ingénierie, c'est-à-dire toutes les mesures physiques ou de protection du milieu, comme le contrôle des PCM, comme pour la taille des salles, comme la ventilation qui doit être bien contrôlée et le flux opérationnel. Donc, exemple de telles mesures, c'est de prévoir des écrans de plexiglas entre les paillasses pour éviter le contact entre les personnels, diminuer le plus possible le contact entre les personnels. Et finalement, pour se protéger, il faut bien utiliser les moyens des EPI, les équipements de personnel individuel, tels que les gants et les masques. Donc, au niveau administratif, comme j'ai dit, il faut vraiment diminuer le contact entre les personnels pour diminuer, en fin de compte, le risque de se contaminer à partir d'un personnel malade. Le mieux, c'est de faire une distanciation sociale qui n'est pas toujours possible. Donc, on peut faire une alternance des équipes, diminuer le risque de mixage entre les équipes. Donc, on peut faire des rotations, des alternances d'équipes, des pauses échelonnées. Donc, ils vont faire des pauses à tour de rôle. Aussi, les heures d'arrivée et de départ, elles peuvent être échelonnées. Donc, on va tout réorganiser pour qu'on diminue le contact entre les personnels. Ce qui vraiment a été fait dans notre laboratoire, on a essayé de travailler par équipe pour diminuer, en fin de compte, le contact et préserver des équipes qui ne seront pas malades et d'autres seront peut-être malades. Donc, on aura toujours un potentiel pour travailler. On doit aussi renforcer les plans de continuité d'activité d'urgence multidisciplinaire. Le mieux, c'est d'avoir un technicien ou un médecin polyvalent pour qu'il puisse faire toutes les tâches et diminuer, bien sûr, le nombre de personnes qui va travailler. Ce n'est pas toujours évident d'avoir une multidisciplinarité si on ne l'a pas avant le temps de pandémique. Il faut bien veiller au dépistage régulier des symptômes et prévoir des mesures de quarantaine pour le personnel malade. Sinon, il faut, pour toutes les formations, il faut privilégier les formations à distance, bien sûr, pour diminuer le présentiel et le contact entre le personnel. L'hygiène des mains, enfin, rien n'est nouveau pour l'hygiène des mains. C'est le meilleur moyen de prévention des infections, que ce soit par contact ou respiratoire. Il faut vraiment bien veiller à cette habitude, la bonne, qui a prouvé la bonne, qui s'avère toujours le meilleur moyen de prévention des infections. Il faut bien veiller à ce que le personnel soit formé et soit réformé, reformé de nouveau, et surtout il faut veiller à ce qu'on le supervise quant à la bonne pratique de l'hygiène des mains à la fin des tâches, avant de quitter le laboratoire, immédiatement après le retrait des gants et lorsqu'il y a une contamination visible avec des matières ou après avoir sur la toilette. Ça, c'est des évidences qui ne sont pas toujours appliquées. Pour le nettoyage,
Le nettoyage, enfin, il faut renforcer le nettoyage au laboratoire. Les zones qui sont potentiellement contaminées par le COVID-2 doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées, donc un nettoyage suivi par désinfection. Les zones fréquemment touchées, comme les poignées des portes, comme les téléphones fixes, comme les écrans des ordinateurs ou les souris, doivent être nettoyés et désinfectés au moins 2 fois par jour pour diminuer le risque, enfin, de contamination par ces objets qui peuvent être éventuellement contaminés. Bon, les murs et les planchers doivent être nettoyés selon les recommandations habituelles. Au laboratoire, les deux désinfectants les plus utilisés et qui sont efficaces restent toujours les mêmes, sont les hypochlorites de sodium, l'eau de Javel à 0,1% ou l'éthanol à 70%. Bien sûr, il faut toujours les appliquer après avoir nettoyé avec un détergent neutre. Il faut insister que la détersion ou le curage des matières grasses ou des saletés avant l'application d'un désinfectant est toujours obligatoire, pas autrement. Le désinfectant ne sera pas efficace, surtout l'eau de Javel, parce qu'elle a elle expose au risque d'être inefficace quand on l'associe à des matières grasses. Le nettoyage doit être bien sûr surveillé et documenté. Ça, c'est très important. Il faut documenter tous les nettoyages qui ont été faits pendant le jour de travail pour qu'on soit sûr à 100% que le nettoyage a été bien fait. Sinon, pendant cette pandémie, enfin, on a vu un engouement pour la fumigation ou les UVJ. Enfin, toutes les méthodes de désinfection par contact. Enfin, on a le sentiment qu'elles sont plus efficaces parce qu'elles vont décontaminer toute la salle ou tout le laboratoire, alors que il s'avère que sont pas beaucoup plus efficace, parfois moins efficace que le nettoyage et les désinfections standards, qui restent toujours le gold standard. En fin de compte, la fumigation aussi, c'est la pulvérisation de désinfectants pour le nettoyage environnemental. Il peut être qu'une mesure supplémentaire après le nettoyage et la désinfection. Il ne peut pas être pratiqué sur des objets sales. En plus, le laboratoire doit être vide. Et ces mesures aussi exposent à un risque d'irritation et de la peau et de l'appareil respiratoire et entraîner des irritations, des bronchospasmes pour le personnel. Donc, et comme je vous ai dit, c'est vraiment, ils ne peuvent pas aussi atteindre les objets qui sont, ou les surfaces qui sont sous les objets qu'on a décontaminés. Donc, rien ne vaut un nettoyage, un curage, un nettoyage avec un chiffon, puis une application d'un désinfectant qui reste la mesure la plus certaine. Pour l'application des UV, les radiations germicides par les UV. Donc, c'est une mesure qui peut être efficace, mais l'efficacité dépend beaucoup de la puissance de la lampe qu'on va utiliser, de sa durée de vie, de sa position, donc de la ligne d'UV qui va être directe ou indirecte, ou aussi la taille de la pièce. Donc, c'est une mesure c'est un moyen qui est très coûteux et l'avantage, il est incertain. Donc, on doit toujours le contrôler, mais toujours, il doit être appliqué aussi après un nettoyage. Donc, rien ne vaut la désinfection habituelle. Pour les déversements et les accidents de laboratoire, logiquement, on doit avoir une procédure déjà prête avant cette pandémie. Comme ça se fait habituellement, on doit le rapporter au superviseur responsable de la section. On doit restreindre les déplacements dans cette zone. Il faut prévoir des kits de déversement accidentel pour la désinfection dans des sites vraiment bien désignés, connus par tout le personnel, surtout par le personnel de réception, où il y a un risque de déversement ou de fuite d'échantillons pendant la réception. Si l'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel à 0,1%, elle est efficace pour la désinfection générale, en cas de déversement, c'est le pourcentage à 1% qui doit être utilisé, qui est efficace pour désinfecter le déversement d'échantillons. Pour les téléphones portables, il faut dire que c'est l'objet le plus difficile à manipuler.
C'est une source potentielle de transmission si on les touche avec des mains souillées. Le mieux, c'est de ne pas utiliser les téléphones portables sur le lieu de travail, mais puisqu'on est toujours sollicité, enfin, on ne peut pas s'en passer de l'utiliser au travail. Donc, une fois on doit l'utiliser, le mieux, c'est de le désinfecter avec une lingette humide. Il y a des lingettes qui sont faites pour la désinfection des portables. Il ne faut pas utiliser ou pulvériser les désinfectants habituels. Ils vont abîmer les portables. Donc, après les avoir désinfectés par les lingettes spécifiques, on peut les mettre dans un sac Ziploc propre, le bien fermer et puis l'utiliser et désinfecter, bien sûr, le sac où on a mis déjà ce portable. Donc, franchement, c'est vraiment très difficile de manipuler les téléphones portables. Moi, personnellement, j'ai dû endommager mon premier portable pendant cette crise parce qu'en fin de compte, c'est difficile de le désinfecter. De même, pour les ordinateurs et les périphériques qui sont utilisés sur les lieux de travail pour la validation ou l'enregistrement des bilans, ce qui est très important, c'est si on les touche souvent, toujours avec des mains propres, donc bien désinfecter ses mains à l'eau de savon avec une solution hydroalcoolique avant et après l'utilisation de ces claviers, on ne va pas bien sûr les contaminer, mais c'est toujours pas fait au laboratoire, donc on a toujours des ordinateurs qui sont propres. Donc si puisqu'on n'arrive pas à maîtriser le nettoyage ou la bonne désinfection des ordinateurs, il faut les bien étiqueter, soit des ordinateurs à usage avec gants seulement ou sans gants. Donc, en cas de présence de saleté, surtout pas comme les ordinateurs portables, il ne faut pas pulvériser les écrans ou les claviers parce qu'ils vont être endommagés. Et déjà, on a endommagé un écran et un clavier au cours de cette crise parce qu'en fin de compte, les personnels de nettoyage ne sont pas en fin de compte bien formés pour le nettoyage. Ils vont pulvériser les désinfectants partout. Ils se croient toujours bien faire. Donc, en cas de contamination, il faut bien les débrancher, les secouer et les brosser éventuellement, pas de pulvérisation. Et le mieux, c'est de prévoir des films de protection pour clavier et souris pour qu'on puisse les toucher à travers ces films qu'on peut les désinfecter. Et si on veut désinfecter, c'est avec des lingettes d'alcool, bien sûr, pas d'excès de liquide. Pour les PCM, pour les postes de sécurité microbiologique, ces postes sont très délicats pour l'utilisation. Il faut que le personnel soit très bien formé quant à la bonne utilisation de ces PCM. Surtout, le mieux, c'est de faire fonctionner au moins 5 minutes le PCM avant de commencer le travail au matin pour bien purger l'air. Il faut bien le désinfecter avant de commencer. Il faut placer tous les articles au fond du PCM là et pas ici, pas au niveau des sources d'aération parce que ça va perturber le flux d'air. Ce sont des flux, donc des postes de sécurité microbiologique où il y a un flux d'air descendant qui va protéger et le prélèvement et le personnel. Donc il faut vraiment préserver ces lieux de flux d'air qui vont nous protéger. Il faut minimiser les mouvements au sein du PCM. Donc, une fois on a commencé le travail sur PCM, il faut vraiment bouger le moins pour ne pas perturber ce flux protecteur d'air. Et une fois terminé, on doit toujours désinfecter tous les articles qu'on a mis au début avant de les faire sortir. Ça, c'est il faut bien veiller à le faire. Il faut superviser le personnel pour qu'il fasse toujours ça, parce que rien n'empêche, tout le matériel peut être contaminé une fois on a manipulé des prélèvements sous PCM. Donc, avant de les faire sortir, même pour le Regibox, le conteneur de déchets, on doit le désinfecter, le fermer, le bien fermer, le désinfecter avant de le retirer du PCM.
Et il faut bien veiller aussi au bon entretien du PCM, le nettoyage quotidien, l'entretien des lampes, le test de fumée, si on a la possibilité de le faire, et les entretiens tous les 6 mois. Donc, normalement, on ne doit travailler dans un laboratoire les prélèvements respiratoires que sous PCM2, qu'il est validé. Donc, on doit veiller à ce qu'il soit valide. Sinon, on n'a pas le droit de manipuler les échantillons COVID-19. Donc, pour les mesures d'ingénierie, donc, le mieux, c'est d'avoir de grandes pièces. C'est pas toujours possible que tous les laboratoires soient bien ventilés aussi, qui n'est pas toujours possible. Les fenêtres doivent être ouvertes. On a beaucoup de salles qui n'ont pas de fenêtres dans les laboratoires, bizarrement. Donc, normalement, on ne doit pas travailler dans ces salles-là. Il faut réduire le nombre de personnel. Il faut des écrans de séparation entre les paillasses. Donc, tout le flux doit être réorganisé le mieux pour, en fin de compte, diminuer le risque de contact entre le personnel et de contamination. Il faut bien ventiler la pièce au moins 2 fois par jour pour, en fin de compte, diminuer tout risque de contamination dans le laboratoire. Pour les EPI, on va finir avec les masques et les gants. Pour les masques, il faut dire que les masques FFP2 ou N95 qu'on doit porter normalement face aux malades quand on va faire des gestes invasifs comme la trachéotomie ou un prélèvement respiratoire, des gestes vraiment très contaminateurs. Donc ces masques, on va dans le laboratoire, on pourrait les porter pour les prélèvements respiratoires, donc pour la PCR ou un prélèvement respiratoire qu'on voit manipuler en culture. Il faut dire que la culture des prélèvements respiratoires, c'est un geste à risque. Il est beaucoup plus à risque qu'une PCR COVID parce qu'on va le manipuler, on va le liquéfier, on va le vortexer. Donc, il y a un risque de dégagement d'aérosol. Il faut bien faire attention à la culture microbiologique des prélèvements respiratoires issus de patients COVID+. Sinon, pour les masques chirurgicaux, on doit les porter pour quand on... puisqu'on travaille à proximité des autres pour se protéger et pour protéger les autres. On doit les porter pour 4 à 6 heures, donc, et on ne doit pas les réutiliser. Ça, c'est évident, ça s'applique pour tous les personnels médicaux ou aussi quand on les porte en communauté. Sinon, pour les autres masques faciaux, pour les écrans faciaux, ils ne peuvent pas, les visières, ils ne peuvent jamais remplacer un masque chirurgical. Ils pourraient être une alternative aux masques chirurgicaux s'ils sont en manque, comme on l'a déjà vu au début de l'épidémie, ils peuvent être enfin aussi utilisés pour réduire l'exposition pour les patients, pour les personnels qui portent des lunettes. Donc, ils ne peuvent pas porter les lunettes de protection. Sinon, les masques en tissu, ils ne peuvent pas, en fin de compte, remplacer les masques chirurgicaux, ils sont moins efficaces. On ne doit pas les porter au laboratoire, on doit porter, pour le personnel de santé, il ne doit porter que les masques chirurgicaux, mais en cas de manque, on pourrait, en cas de besoin, les mettre. Pour les autres pays, pour les gants, donc, il ne faut les porter que lorsqu'on va manipuler les échantillons, il ne faut juste surtout pas les porter toute la journée, comme font la majorité des techniciens, ils portent un gant toute la journée. Il faut prévoir les EPI vraiment appropriés pour le personnel de nettoyage, des gants domestiques, un tablier plastique en jetable parce qu'ils sont vraiment à grand risque de contamination et de projection de sécrétion. Pour le port des EPI, il faut vraiment bien former le personnel à la bonne technique pour le porter et surtout le retirer parce que c'est au moment de retrait où il y a le grand risque de contamination. Donc, si pendant la mise en place de des EPI, on doit commencer en fin de compte par la blouse, puis bien sûr, il faut se désinfecter bien sûr les mains avant de porter la blouse, le masque, les lunettes de protection, puis les gants. On doit retirer d'abord les plus contaminés, les gants, puis la blouse, tout en évitant de toucher les zones contaminées, puis les lunettes, puis les masques. Donc, à tout moment, si on a un risque, on se sent qu'on a contaminé les gants, il ne faut pas hésiter à les décontaminer.
Donc, pour les EPI qui sont réutilisables, sont pas tels que les gants domestiques, il faut bien les désinfecter par la solution désinfectante de routine qui est l'hypochlorite de sodium. En résumé, le risque de contracter la COVID-19 à partir d'échantillons de laboratoire, il existe ce risque, mais il est beaucoup moins important que le risque de le contracter à partir de collègues dans le lieu de travail, surtout quand on est dans une phase épidémique assez importante. Donc, vraiment, le risque de le contracter à partir d'un collègue est beaucoup plus important, d'autant plus que si on a l'habitude d'appliquer les bonnes pratiques, les BPPM ou les procédures standards au laboratoire. Donc, il n'y a pas un grand risque. C'est pourquoi il faut bien faire les mesures de distanciation sociale au laboratoire et réorganiser le travail pour diminuer le moins possible le nombre de personnel au laboratoire. Il faut vraiment insister sur les bonnes pratiques de laboratoire et c'est une bonne occasion pour réviser nos protocoles de bonnes pratiques et de surveiller et former et entraîner en plus le personnel contre bonnes pratiques. Et l'attention vraiment particulière doit être accordée surtout à l'hygiène des mains, bien sûr au port de masque, mais surtout l'hygiène des mains qui est vraiment très efficace et qui est la mesure, enfin la plus efficace. Elle reste toujours la plus efficace. Voici les références de ce topo, les guidelines de l'OMS, du CDC, les liens importants pour l'OMS, l'ICANN, le CDC Africa. Et finalement, tous les remerciements s'adressent aux professeurs Prezak, Brank, Dramovski et Mahter pour avoir participé à l'élaboration de cette présentation. Et merci à vous. Merci, professeur Basmanif, pour cette présentation brillante. Aujourd'hui, nous avons un panel d'experts assez impressionnant. Nous avons des microbiologistes, nous avons des maladies, donc des experts en maladies infectieuses et contrôle des infections. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue pour vos commentaires et questions. Je vais laisser la plateforme au docteur Nadine et à monsieur Tadé qui vont récolter les questions et les partager. Entre-temps, je m'excuse, je dois vous laisser pour une réunion urgente. Merci à vous tous et bonne suite. Bye bye. Merci, docteur Andy. Bonjour à tout le monde. C'est une joie de vous voir encore nombreux. Alors, comme nous avons... Et merci beaucoup pour la brillante présentation au professeur. Et comme nous avons quand même suffisamment de temps, j'aimerais faire passer trois personnes qui ont déjà posé leurs questions. Comme ça, ils vont poser leurs questions en direct. Il s'agit d'abord de monsieur Simon Nouji, qui a une question au sujet de la valeur seuil des IgG. Il y a monsieur Nomou Alphonse et aussi il y a monsieur Ali. Voilà, si on peut faire de ces trois personnes des autres, comme ça, quand vous posez la question, vous dites à qui vous vous adressez et on va écouter votre question. Je ne sais pas si c'est prêt, Tadé. C'est prêt. Monsieur Simon nous dit. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est à l'endroit du professeur qui nous a fait la présentation sur la biosécurité. Voilà. Elle a dit à l'entrée de son propos que une personne qui a contracté la COVID-19 peut contaminer un à trois jours après. Donc, ma question est de savoir quel est le seuil des IgG pour qu'une personne ne contamine plus après être déclaré guéri dans la fourchette de un à trois jours. Donc, voilà ma question. Donc, c'est à moi qui s'adresse cette question. Donc, la valeur seuil de IgG pour qu'une personne ne contamine pas. Exactement. Donc, on ne peut pas se baser sur la valeur d'IgG dire que la personne est contagieuse ou pas. Enfin, c'est sur la PCR qu'on peut dire que la personne est
contagieuse ou pas. Toutefois, une PCR même positive ne veut pas dire toujours qu'elle est contagieuse. Donc, ce IgG, en fin de compte, il varie selon les kits. Et c'est une valeur pour la protection de personne et pas pour un signe qu'elle n'est pas contaminante, n'est pas contagieuse. Donc, et à ce moment-là, il n'y a aucune preuve que les anticorps sont protecteurs contre ni l'infection, une réinfection, ni pour que la personne soit contagieuse ou pas. OK, merci professeur. S'il vous plaît, pour en chérir, est-ce que vous avez eu des personnes qui ont eu une PCR négative et qui ont contaminé? Est-ce que vous avez eu des cas pareils? Oui, on a des cas où, qui ont contaminé, je ne peux pas vous assurer à 100%, mais on a des cas où il y a une PCR négative et le lendemain, on le fait, on la refait, il y a des PCR positifs. Donc, une PCR négative n'élimine toujours pas que la personne soit toujours porteuse du virus. Donc, ça, ce qui est en fin de compte un peu embêtant parce que la sensibilité de la PCR s'avère pas du tout très bonne. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la réponse. Nous avons M. Noumou Alphonse. M. Noumou Alphonse, vous êtes en ligne. Alors, sa question est de savoir quel est le critère de reprise de test chez les symptomatiques et les asymptomatiques. Je ne sais pas si la question est claire, professeur. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris la question ou pas. C'est les critères de levée de l'isolement, c'est ça ou je pense, après combien de temps il faut passer des tests de contrôle chez les personnes qui sont symptomatiques. Donc, la différence par rapport aux personnes symptomatiques et aux personnes asymptomatiques. Oh, okay. Concernant les tests de laboratoire. Vous assurez, en fin de compte, qu'ils ne sont plus porteurs. Oui. Enfin, ça dépend de la politique du pays. Enfin, bon, nous, on fait d'abord après une semaine, au début, après la première PCR positive. Puis, en fin de compte, suivant la charge virale, les CT qu'on a trouvé, on peut, en fin de compte, avancer un peu 3 jours, puis 2 jours, tous les 2 jours, 2 jours, jusqu'à ce qu'il va négatifier. Il faut avoir toujours 2 PCR négatifs 2 jours de suite pour pouvoir lever l'isolement et ça, enfin. Pour les cas symptomatiques, asymptomatiques, on n'a pas tout, enfin, c'est la même conduite pour nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi nos experts, le prof Chedli, vous êtes en ligne. Vous avez un commentaire? Bon, il n'est pas en ligne, alors on continue. Merci beaucoup, professeur. Et il y a M. Kassoum Nikema qui demande si on peut parler de la gestion de la lingerie dans le cadre de la COVID-19. Monsieur Kassoum Nikema, est-ce qu'il est en ligne? Je ne sais pas, il y a le prof Marie-Clara qui est parmi les panélistes. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Monsieur Kassoum concernant la gestion du linge dans le cadre de la COVID-19? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je peux continuer? C'est un peu bas. Okay. Je ne sais pas si vous pouvez augmenter. Ok, je vais être proche des micros. Ok, bon, merci, c'est bon. Ouais. Merci pour la parole. Donc, les managements des linges, on peut faire le nettoyage et après le nettoyage, laver, désinfecter. En utilisant une solution d'hypochlorite de sodium à une concentration de 0,01%. Merci. Merci, professeur Maria Clara. Alors, on continue. Il y a M. Ali Badara Touré qui voudrait savoir si le test de PCR met en évidence, qu'est-ce que le PCR met en évidence et qu'est-ce que la sérologie met en évidence? Est-il possible de faire la sérologie uniquement? Et puis, une autre sous-question, est-ce que le test PCR est uniquement nasopharyngé? Professeur, à vous la parole. D'accord. Le test PCR uniquement nasopharyngé, sur les prélèvements respiratoires essentiellement. Nasopharyngé, oui, le mieux, c'est le prélèvement le moins invasif.
Donc, on peut le faire aussi sur les LBA une fois le liquide, les crachats aussi, et les LBA une fois le patient il est intubé. Enfin, la sensibilité des prélèvements distaux, les liquides de lavage bronchoalvéolaire, est la meilleure. En fin de compte, elle peut arriver jusqu'à 90%. Donc, on a beaucoup de cas, surtout les cas graves, donc qui ont des pneumopathies. La PCR nasopharyngée est négative, alors que les prélèvements distaux sont positifs. Il faut bien insister que la sensibilité dépend aussi du stade de la maladie et aussi du site de prélèvement. Sinon, la PCR détecte enfin l'ARN viral. Enfin, il y a beaucoup de cibles, de protéines d'enveloppe ainsi. Donc, le mieux, c'est de détecter deux cibles, voire trois. Il y a beaucoup de kits actuellement qui détectent trois cibles. Pour, je ne sais pas, pour les IgG. Il demande, oui, la sérologie, qu'est-ce que le test sérologique met en évidence? Enfin, le test sérologique, il met en évidence les anticorps, surtout, enfin, il y a beaucoup de kits qui n'ont pas aussi la validité actuellement pour le bon diagnostic. Il détecte surtout les protéines d'enveloppe. Que ce soit, enfin, on n'a pas la confirmation jusqu'à maintenant si les anticorps qu'ils détectent sont vraiment protecteurs ou pas. Donc, mais c'est ça qu'ils détectent, sont les anticorps, surtout anti-enveloppe du virus. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a des ajouts, des commentaires parmi les autres experts en ligne? Ok. C'est bon, on passe à la prochaine question. Monsieur Abdoul Kader, serait-il qui demande s'il serait intéressant d'identifier le personnel à risque à travers un questionnaire ouvert volontariste? Et je pense que c'est une proposition. Il demande aussi de planifier les répartitions des tâches en fonction de cette identification. Je ne sais pas s'il y a un commentaire par rapport à ça, que c'est des propositions. Parce qu'il dit qu'il serait intéressant d'identifier le personnel à risque à travers un questionnaire ouvert. Je ne sais pas, prof Maria Clara, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Je m'excuse, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, en fait, Abdoul Kader, il fait un commentaire. Il dit qu'il serait intéressant d'identifier le personnel à risque à travers un questionnaire ouvert et volontariste. Donc, volontairement, les gens peuvent... se soumettre à ce questionnaire-là, et il demande aussi à ce que les répartitions des tâches soient planifiées en fonction de cette identification. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui est fait sur terrain? Bon, c'est une question qui va dépendre des places. Bien, en général, les personnels de santé qui travaillent, on recommande ne pas exposer les gens qui ont beaucoup de risques, c'est-à-dire les gens qui sont plus de 61 de l'âge ou les gens qui ont des vulnérabilités cardiovasculaires et diabétiques. Mais ça dépend des recommandations dans chaque place et de la situation de la transmission communautaire aussi. Donc, il n'y a pas une recommandation générale par rapport à cette question. À vous. Merci. Merci. Merci, professeur Maria Clara. Nous avons une autre question que je vais adresser au professeur Basma. Monsieur Kassoum qui demande comment désinfecter les masques pour les réutiliser vu que les ruptures et que nous faisons face à beaucoup de cas de rupture pendant cette pandémie. Professeur Basma. Oui. Pour les masques, masques chirurgicaux, il n'y a pas lieu de désinfecter. Il ne faut pas désinfecter. Aucune procédure n'est valide pour la désinfection des masques chirurgicaux. Ils sont à usage unique, 4 heures simplement, 4 à 6 heures maximum. Une fois c'est mouillé, c'est plus efficace.
Donc, on voit beaucoup de personnes qui réutilisent les masques chirurgicaux et c'est formellement contre-indiqué. Ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser les masques en tussi. Et ces masques, ils peuvent être désinfectés, peuvent être lavés, bien lavés à l'eau et savon antiseptique et séchés au rayon de soleil. On peut les faire un peu repasser, mais c'est tout. C'est des masques qu'on peut réutiliser, mais les masques chirurgicaux, pas. Non. Les masques FFP2. Bon, les masques FFP2, enfin, il ne faut pas les utiliser abusivement. Donc, ils sont vraiment réservés à des situations, comme j'ai dit, très particulières. C'est surtout pour les médecins qui entrent, les personnes qui entrent en contact direct avec les malades. Pour les laboratoires, c'est un peu indiqué pour, en fin de compte, la première étape de l'extraction de l'ADN, des prélèvements respiratoires ou lorsqu'on manipule un prélèvement respiratoire. Et ce n'est pas formellement indiqué. Donc, une fois, on travaille bien sous PCM2 et le PCM2, il est bien contrôlé. Le masque FFP2, en fin de compte, il est normalement à usage unique, mais vu l'épidémie, on peut le réutiliser pendant une semaine. Donc, on peut le réutiliser. En fin de compte, il vaut mieux de le stocker dans une boîte et de faire alterner. Il faut avoir deux masques. Le jour, j'utilise ce masque, je le mets au repos et le lendemain, j'utilise l'autre. Donc, il ne faut surtout pas toucher l'extérieur de ce masque. Donc, il faut, dans le retrait, il faut bien laisser la partie interne intacte. Il ne faut pas le toucher avec nos mains. Il faut en la toucher, il vaut mieux ne pas le réutiliser. Et bon, il y a beaucoup d'études qui disent qu'on peut pulvériser les désinfectants en fin de compte sur ce masque FFP2. C'est contre-indiqué parce qu'il va abîmer le tissu. Certains disent qu'on peut le mettre à 60 degrés. Bon, apparemment, c'est un peu efficace. Bon, mais enfin, on ne peut pas assurer 100% que 60 degrés peut aller un peu plus et abîmer le masque ou les UV. Donc, on peut mettre les masques FFP2 sous UV pour les réutiliser. Sinon, on peut, en fin de compte, comme je vous ai dit, les laisser à l'écart et puis réutiliser en alternance. Mais il faut vraiment... Et en fin de compte, si on a entré directement avec un malade COVID-19 et qu'on a fait un geste invasif, il ne faut pas du tout il faut jeter directement le masque FFP2. Il ne faut pas le réutiliser. Merci. Et dans le cas où on utilise les UV ou on fait une technique de désinfection, la durée de vie, c'est toujours une semaine. Au bout d'une semaine, on change et on prend un nouveau masque. Normalement, oui. Merci beaucoup, professeur. Alors, on continue. Il y a M. Nicolas Pémé qui félicite d'abord pour l'équipe et félicite le professeur pour la présentation. Et sa question est de savoir si une personne guérie de la COVID peut être encore contaminée et c'est dans quel délai. Donc, c'est-à-dire l'immunité par rapport à la COVID-19, elle peut durer combien de temps pour qu'une personne soit recontaminée lorsqu'elle a déjà fait un épisode ou deux épisodes de COVID-19? Donc, c'est la question à laquelle il n'a pas dû répondre jusqu'à maintenant. Donc, toujours, elle est posée. En fin de compte, aucune personne ne peut vous garantir qu'une personne qui a fait une COVID-19 va pas la refaire. Il y a des cas de rechute ou de réinfection, surtout de réinfection. Et donc, on ne sait pas jusqu'à maintenant quant à l'immunité anti-COVID. Il y a sûr des réinfections, mais elles sont rares. Et au bout de combien de temps est-ce qu'on a des données déjà publiées sur la durée probable de l'immunité? Bon, les délais sont vraiment très, très différents d'une étude à une autre. Bon, certains disent 3 mois, 6 mois, mais bon, je crois que c'est à l'instar des autres virus. Donc, c'est une immunité qui est un peu... éphémère, si on peut dire. Oui. Okay, docteur Nadine? Oui. Il y a professeur Ali Boulaboula qui a levé la main, je crois que... Ok. Oui, bonjour professeur Ali, je ne vous ai pas vu. Bonjour. Vous voulez intervenir, faire un commentaire là-dessus?
Allô, professeur Ali. Je pense qu'il est... Il a le micro qui n'est pas activé. Il n'est pas activé. Je pense que son micro n'est pas activé. Comme ça, dès qu'il sera... Une question. Monsieur Ali, toujours Ali Badara, qui demande... Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, Nadine, allez-y, continuez. OK. Je pense que c'est une préoccupation. Il dit qu'il y a un laboratoire qui pratique un prélèvement bucco. C'est bucco-pharyngé ou laryngé? Je ne sais pas. Il a écrit bucco-laryngé. Qu'en dites-vous? Quel est le délai après le prélèvement pour les résultats? Professeur Basma. Les prélèvements, oui, bucco-pharyngé, enfin, on peut les faire, mais le mieux, c'est le nasopharyngé, c'est plus fiable. Le délai pour le résultat PCR, ça dépend de la technique qu'on utilise. En fin de compte, il y a maintenant des plateformes comme les plateformes GeneXpert qui peuvent donner des résultats dans les deux heures qui suivent. Mais si on a une plateforme normale avec une extraction et les étapes, et les triages, extraction et PCR, donc ça peut, dans les meilleurs, selon le débit, en fin de compte, on peut dire, c'est un minimum de 6 heures, minimum de 6 heures, 8 heures, pour qu'on puisse avoir un résultat, si c'est technique normale. Si par les plateformes, comme je vous ai dit, on peut avoir un délai de 1 heure, 2 heures. Mais c'est quand même des kits trop chers. Hein. OK, merci. Donc, le prélèvement le plus fiable, c'est le prélèvement nasopharyngé. Oui. Nasopharyngé, c'est pour les prélèvements qui ne sont pas invasifs. Pour les prélèvements, les LBA, ils sont très sensibles. Okay. Mais enfin, oui. C'est pour les personnes qui sont en réa. En réa, OK. Merci, professeur. Alors, nous avons docteur Marie-Jeanne Katoka qui demande quel examen considérer entre une PCR et un test sérologique pour un voyageur, problématique pour nous qui travaillons au point d'entrée. Donc, je pense que sa question, elle voudrait savoir quel test utiliser pour les personnes qui voyagent. Est-ce un test sérologique serait suffisant ou il faudrait quand même faire la PCR pour les voyageurs? Le test sérologique, c'est-à-dire les tests rapides. Les tests rapides, oui. Les tests rapides, en temps, ils n'ont pas fait une preuve de vraiment d'efficacité, de sensibilité. Donc, partout parmi si on revoit toutes les recommandations des pays, c'est les RT-PCR, hein, les plus fiables. Mais il y a beaucoup de faux positifs et faux négatifs pour les tests rapides. Donc, on ne peut pas assurer leur fiabilité à 100%. Il ne faut pas se fier sur ces résultats pour... les contrôles aéroportaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le prof Ali a activé son micro. Il n'est toujours pas activé. Allô Nadine. Oui, allô Nadine. Bonjour, bonjour professeur. Merci. Je voulais d'abord profiter le professeur Basma pour sa brillante intervention. Je voulais ajouter un mot sur les cas d'immunité. On va poser l'un des intervenants si ça peut durer ou ça ne peut pas durer. Le professeur Basma a raison de dire que ça ne dure pas. Eh bien, les auteurs qui ont étudié le cas bien avant pensaient que c'était une immunité qui s'évanouissait rapidement, mais de plus en plus, les auteurs ont trouvé qu'il y a des lymphocytes qui sont là chez les personnes qui sont porteuses d'anticorps et ceux qui en ont et qui durent longtemps. Et on pense maintenant que, en cas de réinfection, il y a des moyens, des réactions d'activation de ces lymphocytes chez les individus qui peuvent bien combattre les virus qui réinfectent la personne. Donc, en conclusion, on dit que c'est une immunité qui dure longtemps. Et les lymphocytes mémoire traînent longtemps aussi.
c'est quelque chose que de plus en plus les auteurs qui ont étudié cela confirment. Merci. Merci, professeur. Et longtemps, en termes de temps, ça peut, en moyenne, le minimum. Parce qu'on pensait que trois mois, comme a dit le professeur Basmani, mais ça peut aller beaucoup plus longtemps que 3 mois. OK. Donc, ça dure longtemps et les lymphocytes mémoire sont là pour cela. OK. Oui. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette précision. Je vous Alors, en prie. Oui. Il y a une longue question. Comme on a un tout petit peu du temps, j'aimerais demander à Tadé si c'est possible d'activer le micro d'Aimé, Aimé Nyanga, pour qu'il pose sa question en direct. Allô, monsieur Aimé, vous êtes en ligne? Allô, Aimé? Parfait, docteur Nadine. Est-ce qu'il est là? S'il peut poser sa question directement et puis on passe aux deux dernières. Aimé Nyanga, il n'est pas là. Alors, il est là, il vient d'entrer. Ok. Est-ce que Aimé, vous pouvez poser votre question directement et vous dites à qui vous l'adressez, s'il vous plaît? Allô, Aimé? Allô? Allô, Aimé? Bon, on passe. Je pense qu'il a un problème technique. Je pose encore la question. S'adresse allô, docteur Aziza. Oui, Aimé. Est-ce que tu peux poser ta question directement et tu dis à qui tu la poses? Oui, ma question s'adresse au professeur. Et, nous avons trois professeurs. Je voudrais savoir quand. Oui, les professeurs dames. Basma, sorry, on a professeur Basma, professeur Maria Clara et professeur Raya. Professeur Chedi, professeur je ne sais maman. Pas si nous avons. Professeur Maria Clara. Oui, j'aimerais savoir lors de la gestion des MTV, des milliers de cultures virologiques dans la logistique, j'ai remarqué que les liquides à l'intérieur, certains liquides qui sont un peu blancs, il y a certains liquides qui sont un peu rouges, pour influencer les résultats PCR. C'était ça ma question, parce que pendant la Allô? Docteur Nadine, ça connecte. Allô, on l'a perdu, hein? Oui. Mais est-ce que, oui, professeur Maria ou professeur Basma, l'une de vous a quand même compris sa préoccupation? Quelqu'un peut répondre? La labellisation des MTV, des milliers d'équipes virologiques, j'ai remarqué l'élèvement. Ok, mais la connexion n'était pas bonne, hein? Je ne sais pas si les profs ont tout suivi. Professeur Basma? Je ne sais pas. Peut-être professeur Maria. Professeur Maria Clara? Moi, je m'excuse, je n'ai pas compris la question, le commentaire. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La connexion n'est pas bonne. Oui, je pense qu'il parlait des milieux de culture virologique. Donc, j'essaie de lire sa question. J'aimerais savoir si le résultat PCR dépend aussi de la qualité du liquide se trouvant dans le milieu de culture virologique, car dans la gestion des stocks labo, nous remarquons parfois la différence de couleur du liquide entre deux milieux de culture virologique lors de la labellisation des milieux de culture. Okay. Donc, c'est un peu technique quoi, pour le laboratoire. Oui. Alors, je ne suis pas un expert en laboratoire. Peut-être que l'autre professeur, c'est meilleur que moi. Mais en général,
Tous les examens laboratoires, on doit suivre les recommandations des fabricants. Donc, il y a beaucoup de recommandations qui doivent être suivies parce qu'on risque d'avoir un problème de résultats si on ne suit pas les recommandations des fabricants. Donc, je suggère que, quels que soient les produits, on doit suivre la recommandation des fabricants en ce qui concerne le stockage. Merci. Merci, professeur Maria. Professeur Basma, vous avez... Oui, j'ai un commentaire. Je crois que c'est pour les milieux de transport, pas de culture. Voilà, les milieux de transport. Dans des laboratoires de routine. Donc, pour le milieu de transport, pour la PCR, il y en a beaucoup. Sauf que, enfin, si on a remarqué qu'il y a un changement de couleur, bien sûr, c'est qu'il a été mal conservé ou périmé. Donc, il faut s'assurer auprès du fournisseur qu'il répond bien aux exigences et qu'il faut toujours faire des contrôles de qualité pour ces milieux. Donc, il faut toujours faire des contrôles internes, des contrôles externes pour vérifier la validité de la PCR. Et pour le milieu de transport, normalement, on ne devrait pas avoir un changement de couleur. Merci. Merci, professeur. Alors, rapidement, on prend les trois dernières questions. Il y a une question qui est relative à la levée de l'isolement d'une personne atteinte de COVID. Au bout de combien de temps elle peut rentrer dans sa famille? Deuxième question, c'est au sujet des personnes qui restent longtemps positives après 2 ou 3 tests PCR, sont-ils toujours contagieuses? Docteur, professeur Basma. Normalement, donc on a le droit de lever l'isolement si on a 2 PCR de suite négatifs, donc pas une seule. Donc c'est des critères vraiment très très restrictifs. Il y a des personnes qui restent vraiment très longtemps positives. On n'a pas la preuve jusqu'à maintenant que le virus qu'on détecte, l'ARN, que le virus est encore contagieux, mais légalement, on n'a pas le droit de lever l'isolement si sa PCR est encore positive. Merci. Merci, professeur. Et il y a quelqu'un qui voudrait savoir si le prof Ali peut nous donner les références des études sur l'immunité. Je pense que le prof Ali pourra balancer sur notre plateforme. Et pour la dernière question, et puis je passe la parole à Tadé, il y a Madame Élisée, elle dit « Je suis à Bujumbura, on a fait 100 tests, tous positifs COVID-19 avec des tests rapides et on a utilisé la PCR qui a révélé que 3 étaient positifs seulement. Cet écart si énorme ne peut pas conclure que ces tests rapides ne sont pas fiables. » Je pense que le prof Basma en a parlé lors d'une des questions précédentes. Oui. Donc, oui. Toutefois, il faut bien contrôler la fiabilité de la PCR, la technique d'extraction, et surtout la qualité de prélèvement. Le prélèvement, il est très délicat. Il faut faire vraiment un prélèvement nasopharyngé, il faut bien pénétrer jusqu'à buter le plancher. Donc, vraiment, si c'est un prélèvement juste nasal, pas nasopharyngé, il est très probable qu'il soit faussement négatif pour la PCR. Il faut bien suivre la technique du prélèvement. Le diagnostic vraiment dépend de la qualité du prélèvement. Il doit être profond. Et jusqu'à ce que vraiment le patient tousse et pleure. C'est un prélèvement vraiment très douloureux. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on a atteint le temps à partir. Je remets la parole à Tadé. Merci beaucoup à vous tous pour cette riche session. À vendredi prochain. Tadé, à toi. Ok, merci Nadine. Merci à professeur Basma. Merci professeur Ali Bulabula, professeur Maria Clara, mais aussi nous remercions surtout nos chers participants pour le temps que vous avez donné pour être avec nous. Docteur Nadine, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train de venir, mais malheureusement, vous avez, je crois qu'on peut arrêter ici. Donc, comme Docteur Nadine vient de le dire, donc nous avons une plateforme Telegram où nous échangeons et continuons de poser des questions, mais aussi
à échanger les expériences. Donc, nous vous invitons tous à vous enregistrer sur cette plateforme. Et vous remercie surtout du partage de ces informations que nous recevons sur ces webinaires. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un, peut-être qu'il y a une autre question qui est très, très importante, je vais devoir clôturer ce webinaire d'aujourd'hui et vous invite à se joindre à nous pour le prochain webinaire vendredi prochain. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, professeur Basma. Merci, Tadé. Merci, professeur Ali. Et je rassure nos participants que les présentations vont être envoyées à toutes les personnes qui sont enregistrées. Donc, il y a un collègue, Suzanne, qui va envoyer à tout le monde qui s'est enregistré pour ce webinaire. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.